La patience. Le jeu de cartes pour joueurs solitaires. Ça semblait bien triste comme activité. Dernier esprit, si seul jusque-là, s'en alla rejoindre les autres dans la noirceur de la forêt. Karl comprenait confusément l'horreur qui avait frappé ce village. Il comprenait que les morts s'y amoncelaient et qu'un seul homme comme lui ne pourrait pas tout régler. Le chemin lui était ouvert. Il devait pousser vers le nord, au plus vite, pour trouver des secours. Thank you.
Thank you.
un peu de gaz, une bougie fonctionnelle et la clé, et le tour était joué, le bolide ronronnerait. Il restait à dénicher tout ça. Karl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien. À quoi sert une voiture sans moteur? On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos.
voilà une voiture qui irait plus très loin. Où s'en allaient les morceaux amputés? Carl imaginait un véhicule quelque part, comme la créature de Frankenstein, fait des pièces de voiture mortes au combat. Carl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien. Thank you.
Il fallait bien plus d'électricité pour espérer bouger ce gros chariot. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Carl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Le magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Le fouilleur avait fouillé. Carl n'avait pas tiré tout ce qu'il pouvait de ce mécanicien.
Thank you.
La grosse antenne, idéale pour communiquer avec les petits hommes verts, était plutôt agaçante comme ça au milieu de la route. Il devait exister derrière un levier pour lui permettre de laisser le chemin libre. Mais comment donc l'atteindre, se demandait Carl. Toutes ces bornes formaient ensemble un circuit électrique. Mais pourquoi? Voilà où se cachait la clé de la génératrice. Il restait juste à l'atteindre. Carl commençait justement à ne plus sentir ses mains.